Je suis aussi bruiteur vocal, beatboxer. Je ne sais pas si vous savez, ouais, les jeunes ils savent ce que c'est le beatbox, mais ce n'est pas tout le monde qui sait ce qu'est le beatbox. Donc le beatbox, c'est faire de la musique avec la voix. À la base, ça vient du hip-hop, mais on n'est pas obligé de faire du beatbox uniquement hip-hop. Ça peut être funk. Ouais, celui-là, vous le connaissez. Vous connaissez aussi celui-là. Ouais, celui-là aussi, vous le connaissez. Et vous connaissez aussi celui-là. C'est quelqu'un que vous avez tous vu, mais lui, il vous a jamais vu. Non. Viens fumer de la bonne beuh des tropiques. Non. L'autre, un peu plus bronzé. Ça, ça permet de s'échauffer la voix. Il y en a un autre aussi en trois phases. Là, c'est plus ce qu'on appelle ragamuffin. En trois phases. À faire tout ça, il vous suffit d'utiliser tous les instruments que vous voyez pas. En général, le mec il arrive. Ça, c'est ma belle-fille, vous avez vu comment elle me ressemble? Ben oui. Ben, j'ai toujours été blond aux yeux bleus. Moi. Donc en général, bon. Dans un orchestre, il y a plusieurs musiciens, donc tu as le mec, celui qui arrive, tu sais, qui s'assoit, hein, il a deux baguettes comme ça, et puis... Il est souvent accompagné d'un autre gars qui a
Bon, les musiciens me regardaient pas parce que là je vais faire la basse, mais je sais pas jouer de la basse, donc je fais n'importe quoi avec les doigts. Voilà, c'est ça, c'est un peu la basse funky, mais la basse, tu vois, tu mets les infrabasses là, tu la joues là, à la manière reggae. Voilà. Et puis ça, si tu le rallonges, tu le mets debout. Tu fais... Tu le récupères. Ouais, si tu prends un truc là, tiens, un archer. Non. Tu as aussi celui-là? Je sais pas si je vais y arriver parce que souvent, quand je suis sur scène, je me le micro serre-tête là comme ça, tu sais. Ça ressemble à un peu à un pilote de. Putain, un instrument là. Oui. Je sais pas si vous connaissez Ridou, Didier Ridou. Non, en fait, le didgeridoo, c'est une espèce de tube, là. Ça vient des aborigènes d'Australie. Et quand tu souffles dedans, enfin, dedans, tu dois faire un truc genre... comme ça. Mais ça te fait le son. Toi, t'as ça? Mais t'as les instruments avant? Non, pas ceux qui viennent avant, après, hein, avant le vent. Comment je vais faire? Je vais faire comme ça parce que j'ai besoin de mes deux mains aujourd'hui. Donc on va faire comme ça. J'espère que ça va pas faire l'Arsène Lupin. La musique, n'importe quelle musique. T'as aussi le. C'est le truc de cow-boy, quoi. Tu sais, le cow-boy, il arrive comme ça, tu sais, il arrive à cheval. Wow. Ça, elle est kawaii.
Oui, la musique, c'est... Ah, mais c'est dur avec une seule main. Ah, c'est dur avec une seule main. Je vais me remettre comme ça. Ça va ? C'est... Et puis, je sais pas, il y a des tas d'instruments, quoi, tu vois. Et des tas. Merci.